Amitabha à vous, shalom au tête, salam alaikum, ici Divorus. Aujourd'hui, je viens pour vous donner un enseignement sur les lois de la magie, en fait. J'ai d'abord fait la vidéo où je parlais, après, je sais pas, j'avais réglé la caméra en 4K, donc à un moment, ça s'est arrêté au milieu. Donc, je suis obligé de refaire une vidéo. Je pense que ça tombe même bien pour que je sois plus explicite, pour que je m'étale encore plus, voilà. Je vais vous dire pourquoi les rituels que vous faites ne fonctionnent pas. Je vais vous dire pourquoi vous faites certains travaux spirituels, ça ne marche pas. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Voilà. J'ai voulu vous donner des rituels aujourd'hui, mais je me suis dit, avant de leur donner les rituels que tu veux leur donner, donne-leur d'abord cet enseignement. Les lois occultes. Avant de donner l'enseignement, comme je vous dis toujours, Divorus ne répond à aucun autre numéro en dehors du plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous massivement, likez, partagez la vidéo. Maintenant, le vif du sujet. L'homme, comme je vous l'ai dit, possède 8 corps. Le corps physique, le corps astral, le corps éthérique, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique et le corps christique. Chaque corps a un rôle précis sur le plan de la magie. Les corps les plus importants dans la magie cérémonielle, dans la magie pratique qu'on vous enseigne là, sont le corps physique, car c'est lui le véhicule en fait, c'est avec lui qu'on se déplace, c'est avec lui qu'on achète le matériel et tout. C'est avec lui qu'on fait des rituels, qu'on fait des incantations. Ensuite, après le corps physique dans la magie, le deuxième corps le plus important, c'est le corps mental. Le corps mental est comme la carte graphique, est comme le processeur de la magie. C'est le cerveau de la magie. Ensuite vient le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est comme la batterie. Le corps éthérique, c'est lui qui donne l'énergie mystique nécessaire pour que vos rituels fonctionnent. Ensuite vient le corps astral. Parce que c'est avec le corps astral qu'on peut se rendre dans l'astral pour faire certaines choses. C'est avec le corps astral qu'on peut faire matérialiser certaines choses qui sont du plan astral au plan physique. Bref. Je vais plus m'étaler sur le corps physique, sur le corps mental et le corps éthérique. Les autres corps, les enseignements, ça sont plus réservés aux mages de la confrérie. Mais le corps christique est le corps de l'équilibre, en fait, est le corps de l'orientation. Si vous vous élevez spirituellement, on va dire vous avez votre corps christique tend vers l'illumination christique. Si vous vous abaissez, le corps christique, lui, il tend vers l'illumination luciférienne. Donc, c'est lui qui oriente votre polarité, en fait. Voilà. Donc, le corps christique est, on va dire, comme votre matricule. On va dire ça comme ça. Et entrons dans le vif du sujet. Quand vous voulez faire un rituel, quand on vous donne soin des rituels, on vous dit, purifiez-vous, purifiez-vous avec de l'eau, du sel et tout et tout. Là, ça concerne uniquement le corps physique parce que le corps physique est souvent souillé par des rapports sexuels, par des personnes qu'on contacte, par des personnes qu'on peut même saluer, par des carrefours et tout, vous passez dans un carrefour, vous vous asseyez quelque part, vous prenez des énergies négatives. C'est pour ça qu'on vous demande toujours de vous purifier. Là, c'est concernant le corps physique. Quand vous avez constaté, on vous dit toujours, avant le rituel, vous faites un jeûne de Daniel, le jeûne de 7 jours, on vous dit, vous ne mangez pas telle viande, vous ne mangez que des fruits et des légumes, vous ne faites pas de rapports sexuels, vous ne buvez pas d'alcool, vous ne faites pas ci. Là, c'est pour élever le corps éthérique. Tout cela, en fait, c'est pour booster, pour recharger votre corps éthérique. Parce que le corps éthérique, comme je vous ai dit, c'est comme la batterie, c'est le moteur. Est-ce que vous pouvez rouler avec une voiture si vous n'avez pas carburé cette voiture? Vous ne pourrez pas. Donc, c'est ça le rôle du corps éthique. Le corps éthique est chargé de porter votre rituel vers l'entité qui est adressée, vers qui vous adressez en fait. Maintenant, si votre corps éthérique n'est pas assez fort, si votre corps éthérique n'est pas assez élevé, vous ne pourrez pas
avoir des résultats sur le rituel que vous faites. Nous sommes en pleine période du mois du Ramadan. Vous pouvez en profiter pendant cette période, vous accompagner les musulmans dans leur jeûne pour élever votre corps éthérique. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, quand vous voulez que votre rituel marche aussi, il faut tenir compte des égrégores auxquels vous appartenez. Maintenant, si vous n'appartenez pas à certains égrégores et qu'un mage, par exemple, peut donner mon rituel là, je vous dis, il peut vous donner un rituel du soufisme. Quand je vous donne déjà l'autorisation, vu que je fais partie de cet égrégore là, vous avez accès par mon canal au rituel. Vous avez accès à l'égrégore par mon canal. Sauf que lorsque vous avez accès à cet égrégore, vous ne pouvez que faire le rituel que je vous ai demandé. C'est pour ça que quand je vous donne la vidéo, je vous dis, faites ce que je dis. Ne partez pas inventer des choses. Et il faut savoir que la spiritualité a des lois. Dans un groupe, il y a un jeune ami qui était dans un groupe. Je l'avais donné une fois un rituel avec la magie des œufs. Je lui avais parlé de la polarité des œufs. On causait bien. Je lui avais donné un enseignement sur la magie des œufs, en fait. Je ne lui ai pas donné un rituel. Après, il me dit, ça fait peut-être une à deux, ça fait une semaine, je crois. Il me dit, un maître lui a donné un rituel où il fallait prendre un œuf, ou bien il fallait enterrer l'œuf, ou bien c'était où et tout, et tout, et tout. J'ai dit, ça c'était un bon rituel. Maintenant, sauf que, il faut connaître la polarité de chaque chose. Parce que la spiritualité, c'est une science, en fait. Rien ne se fait au hasard dans la spiritualité. Les rituels sont donnés par des entités. Les rituels peuvent être inspirés par des ancêtres. Les rituels peuvent être inspirés par votre corps christique, c'est vrai. Maintenant, il faudrait que votre rituel respecte les lois de la nature. Supposons vous donner un rituel avec un œuf. Attendez, je prends un œuf, je vous montre. On vous a donné un rituel avec un œuf. Voici un œuf. Ça, c'est le côté pointu. Ça, c'est le côté arrondi. Le côté pointu, c'est le côté mâle. Le côté arrondi, c'est le côté femelle. On vous donne un rituel, par exemple. On vous dit, allez enterrer l'œuf dans un carrefour ou dans un marché pour que l'œuf puisse absorber les énergies qui se trouvent dans ces lieux. Bref, vous allez enterrer pour récupérer des énergies. Ça peut être du pouvoir, ça peut être de la chance et tout. Et tout. Vous allez enterrer l'œuf. Le côté pointu, c'est le côté mâle. Le côté arrondi, c'est le côté femelle. Dans la spiritualité, il existe toujours cette double polarité dans toute chose. Le mâle, la femelle. La femelle est la réception. Le côté mâle est l'émission. C'est l'émission, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est l'émission. C'est eux qui me disent, parce que c'est pas moi trop fort en français, en fait. Donc, le côté femelle, c'est la réception. Le côté mâle, c'est l'émission. Quand vous allez peut-être enterrer un œuf dans un carrefour, vous dites, vous battez pour recevoir des énergies dans ce carrefour. Quand vous allez enterrer l'œuf, vous battez vous enterrer avec le côté femelle en bas. Là, vous avez bien fait le rituel. Vous allez recevoir les énergies qui sont dans ce carrefour parce que c'est le côté femelle qui est en contact avec le domaine que vous êtes allé contacter. Donc, ça va récupérer les énergies. Maintenant, on vous donne le rituel, on vous dit allez enterrer un œuf comme ça. Vous partez vous enterrer avec le côté mâle. Vous êtes en train plutôt de mettre vos énergies en fait. Vous êtes en train de charger encore cet endroit. C'est comme si vous avez offert cet œuf-là en offrande à ces entités-là. Vous allez prendre le fapeau, vous allez faire votre rituel, ça ne va pas marcher. Vous allez dire que non, le maître n'a pas donné le rituel comme il fallait. Pourtant, la spiritualité a ses lois. Rien n'est fait au hasard. Vous voyez déjà comment rien que la simple position d'un œuf a gâté, a foutu en l'air votre rituel. Quand je donne des vidéos, quand je donne des rituels, je fais l'effort d'être assez explicite. Et j'ai décidé que ces jours-ci, les prochains jours, quand je vais donner des rituels, si je vais vous donner un ingrédient et que je sens que vous ne pourrez pas facilement trouver cet ingrédient, je fais l'effort de vous montrer cet ingrédient en image. C'est comme ça qu'on va fonctionner maintenant. Donc, c'est comme ça dans la spiritualité. Ça a des lois précises. Si votre corps éthérique, qui est le corps vibratoire, qui est le corps de la magie, qui est le corps des énergies. Si votre corps éthérique, vous voulez faire un rituel et que votre corps éthérique ne vibre pas à la bonne fréquence, vous n'aurez pas du succès.
Si vous voulez contacter une entité, votre corps éthérique vibre trop bas par rapport à cette entité, vous n'aurez pas le succès que vous attendez. Si il vibre un degré supérieur à l'entité, il faudrait que vous ayez l'autorité pour obliger cette entité à venir. Mais dans le cas où vous n'avez pas l'autorité pour obliger l'entité à venir, elle pourra décliner l'appel car elle peut se sentir en danger. Elle peut se sentir menacée, intimidée. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, faites un jeûne de Daniel. On vous dit pour d'autres cas, faites 2 jours de jeûne. Faites 3 jours de jeûne. Vous allez constater pour certains rituels, quand on va vouloir méditer, on va se placer là, on va vibrer un mantra spécifique. Un autre jour, ce n'est plus le même mantra, c'est un autre mantra pour un autre rituel. Cela n'est pas fait au hasard. Il y a tellement de choses qu'on aimerait bien vous révéler, mais qui sont réservées à certaines personnes qui ont eu la chance, on va dire comme ça, aux personnes qui ont eu la chance d'avoir accès à l'initiation, on va dire ça. Là, c'était concernant le corps éthérique. Je vais m'attarder sur le corps éthérique et le corps mental. Maintenant, le corps mental, qui est ce dont je voudrais vous parler. On vous dit, on vous enseigne sur les plans philosophiques, même dans les quartiers, même dans les paroles, dans les films, on vous dit toujours, tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu penses. Donc, ce que tu penses définit ce que tu es, ce que tu seras. Il faut purifier vos pensées. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, le péché commence d'abord par la pensée. Quand vous émettez une pensée, cette pensée-là va s'inscrire dans un livre, va s'inscrire dans les murs, on va dire, va s'inscrire sur le plan astral. Parce que la magie commence d'abord par la visualisation. La visualisation, c'est une façon de penser plus poussée, plus élaborée en fait. Parce que la visualisation, ce ne travaille qu'avec le corps mental. Visualiser et penser, c'est deux mondes différents. On va dire, celui qui pense est un peu comme un... je vais même vous expliquer ça comment. Je vais prendre quel exemple. Bref. Celui qui visualise est comme celui qui se lève avec les yeux bandés. Quand vous émettez des pensées, vous êtes un peu comme un aveugle qui marche dans une autoroute, en fait. Dans une autoroute, au milieu de l'autoroute. Donc, vous êtes là, vous marchez, vous ne voyez pas ce qui se passe. Tandis que quand vous visualisez, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train, vous savez ce que vous êtes en train d'émettre. Donc, celui qui pense est dans une position passive, tandis que celui qui visualise est dans une position active. C'est pour ça qu'on dit le mage visualise. Quand on vous donne les rituels, on ne vous dit pas pensez à ce que vous voulez, on vous dit visualisez le résultat que vous voulez obtenir. Avant de faire un rituel, on visualise ce qu'on veut obtenir. Et aussi, à la fin du rituel, on visualise déjà comment on reçoit ce qu'on a demandé. C'est comme ça que fonctionne la magie. Maintenant, le corps mental influence beaucoup sur les émotions. Si vous avez des pensées négatives, vous n'attirez que les négativités dans votre vie. Parce que je vous ai dit, ce que vous pensez, ce que vous imaginez, se crée dans le plan astral. Ceux qui ont déjà eu affaire de voyage astral savent de quoi je parle. Se crée dans le plan astral. Maintenant, quand cela se crée dans le plan astral, vous savez déjà que ce qui est à l'astral se répercute sur le plan physique. Vous allez peut-être constater ce qui vous est déjà arrivé. Tous, toi qui regardes cette vidéo, ça t'est déjà certainement arrivé. Un jour, tu sors, tu as un problème sérieux, tu n'as pas de sous en fait. Tu ne sais pas comment faire pour avoir de l'argent. Mais tu sors, tu te dis, je vais avoir les 500 000 francs aujourd'hui, je vais avoir ces 500 000 francs là. Ou bien, je vais avoir les 50 000 francs dont j'ai besoin aujourd'hui. Peu importe ce qui va se passer, je vais avoir cette somme aujourd'hui. Et tu obtiens la somme. Tu sors avec une grande confiance en toi, tu dis, je vais gagner au jeu des hasards, aujourd'hui je gagne. Même si c'est quoi, je vais gagner au loto, je vais gagner au PMUC. Tu pars jouer, tu gagnes. C'est ça, le corps mental, c'est le corps qui crée, c'est le corps de la création. Je vais vous donner encore un autre aspect du corps mental. Cela va vous montrer pourquoi le noir, l'Africain, on va dire comme ça, est toujours dernier.
Nos frères qui sont dans la diaspora, eux, ils changent un peu de mentalité. Je parle de ceux qui sont en Afrique. La race noire est même la race, est la dernière race. Je suis noir, on n'est pas dit que je suis raciste. Quand on veut faire un classement des races en termes de valeur, nous sommes les derniers. Surtout, donc, nous sommes les derniers en fait. Nous avons juste été gâtés par la nature. Nous avons juste eu la chance d'être gâtés par la nature. Sinon, nous sommes les derniers. Il faudrait qu'on arrête de se voiler les yeux. Même dans nos propres standards, les autres races sont en train de nous battre. Et c'est dommage. Tout ça pourquoi? À cause de notre façon de penser. Le noir veut avoir tout facilement. La plupart des gens, quand vous venez, on vous dit, vous n'êtes pas apte pour l'initiation. Vous pensez que c'est parce qu'on ne veut pas prendre de l'argent ou quoi? Vous pensez que c'est parce que pour accéder à l'ordre, il faut être milliardaire ou alors il faut être né avec des super pouvoirs? Non. La plupart, vous échouez au test de mentalité. La plupart, vous venez parce que vous voulez qu'après 2 ou 3 mois, on vous donne des rituels de richesse. Des rituels pour faire apparaître de l'argent. Vous voulez qu'on vous donne des pouvoirs pour faire apparaître, pour contraindre ces génies. Parce qu'on peut vous donner le rituel, mais vous convoquez les génies, de ne pas vous répondre. Maintenant, vous voulez qu'on vous donne ces pouvoirs-là pour contraindre le génie à vous faire apparaître de l'argent parce que vous ne voulez pas travailler. C'est la mentalité du noir. Et le problème, c'est que le noir est hypocrite envers lui-même. L'Africain est hypocrite envers lui-même. Ceux qui ne sont pas mages, si vous avez la chance de vous initier et qu'il arrive que vous deviez faire le même travail que nous, vous saurez de quoi je parle. Un noir peut te contacter parce qu'il sait par exemple que s'il vient contacter Divorus, s'il vient dire à Divorus, je viens pour un pacte, moi personnellement je vais le chasser, je vais dire, je ne fais pas ce genre de pratique. Je ne fais la magie noire que lorsque je n'ai pas de choix. Il vient, il te dit, maître, s'il vous plaît, faites-moi une bague de prospérité. Je lui fais la bague de prospérité 2 semaines plus tard. Il dit, ah, mais c'est toujours dur, hein. Est-ce que tu peux plutôt me faire un pacte? C'est comme ça qu'ils font, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et ils préfèrent perdre de l'argent comme ça. Quand tu sais ce que tu veux, tu ne gaspilles pas ton argent n'importe comment. Et la plupart d'entre vous, vous aimez quand on vous vend le rêve. Vous aimez quand on vous vend de l'illusion. C'est pour ça que vous vous faites arnaquer. C'est pour ça que les charlatans vous bouffent de l'argent. Et un monsieur qui m'avait contacté une fois, il est au Sénégal. Je pense qu'il va se reconnaître. Il voulait des histoires de pacte là. Il voulait un porte-monnaie magique. Je lui ai expliqué comment ça se passe et tout et tout et tout. J'essaie de le convaincre. Il a dit, il va tout faire. Il est prêt à tout. Quand je consulte, les conditions qui étaient sorties, il ne pouvait pas les faire. Mais je ne pouvais pas lui dire les conditions en fait. La condition la plus facile qui était sortie était qu'il devait chercher un enfant albinos qui est décédé à l'âge de 9 ans. Il devrait demander au morguier de lui donner un peu de sel, dans la merde, le caca de cet enfant qu'il devrait manger. Et prendre un peu pour mettre sur un billet, il devait présenter ça au soleil pour certaines incantations. C'est ça que le génie avait dit. C'était la condition la plus facile. L'autre condition disait qu'il devrait coucher avec sa mère 2 fois par semaine jusqu'au jour de sa mort. Ça devait se faire, quoi, c'était le jeudi. Il y avait le jeudi, il y avait un autre jour. Je me souviens quand même qu'il y avait le jeudi. Quand j'ai vu tout ça, je lui ai dit, mon frère, d'après ce que j'ai vu, tu ne peux pas faire ça. C'est pas bon. Laisse tomber cette affaire. Il a insisté, il a insisté. Je lui ai dit, ok. On va travailler. Au moment où il fallait envoyer l'argent pour son travail, il a commencé à faire des trucs du genre, je vais d'abord vous envoyer la moitié. Je lui ai dit, mon frère, si tu envoies la moitié, je vais pas faire. Je vais seulement donner ça aux gens chez qui je prends le matériel. Ils vont garder. Après, quand tu envoies, on va faire le travail qu'il faut faire. Il a fait des trucs. Il n'a même pas envoyé la moitié. Il a tourné. À la dernière minute, il m'appelle, il me dit, j'ai regroupé la totalité de la somme. Je lui dis encore, mon frère, je ne veux pas faire ce travail. Il a dit, non, voici là, il m'a même fait une vidéo, il me montre l'argent, il me dit, envoyez-moi vos coordonnées, je suis prêt à vous envoyer l'argent. J'ai dit, mon frère, laisse, garde ton argent. Parce que j'ai une conscience, en fait. Ce n'est pas que je suis parfait, mais j'ai une conscience. Un autre monsieur aussi m'avait fait ça, lui, là en France. Pour lui, c'était un autre cas en fait.
C'était un autre qu'elle avait son entreprise qui était un peu en train de zigzaguer là et tout et tout. On s'est entendu. Elle a commencé un peu à vouloir faire les simagrées en fait. Parce que généralement, nos frères africains, quand ils sont en Europe, ils pensent que nous qui sommes en Afrique, nous sommes misérables en fait. Je lui ai dit, mon frère, je ne travaille plus pour toi. Quand elle est revenue, m'a dit, je ne travaille plus pour toi. Je cherche quelqu'un d'autre, tu lui envoies cet argent-là. Et si c'est que tu peux mettre un autre membre de la confrérie, il ne va pas accepter de travailler parce que la confrérie va rejeter ce travail. Il a insisté. Il a été stupéfait. Il m'avait envoyé 2500 euros. Quand il m'a envoyé l'argent, j'ai retiré cet argent. Je lui ai retransféré encore. Il a dit, on n'achète pas l'image du mage, en fait. On n'achète pas le mage. Quand vous voulez contacter un mage, quand vous voulez contacter un initié, il faudrait d'abord savoir que la personne que vous avez en face de vous est un être humain. Et cette personne, en même temps, elle a aussi une vie. Je parle aussi pour ceux qui lancent des appels vidéo à minuit. Ceux qui lancent des appels vidéo à partir de 23h. Quand vous voulez m'appeler quelqu'un, renseignez-vous. Au Cameroun, il peut être quelle heure? Quelqu'un à minuit, 23h, minuit, parfois 2h. Il y a l'autre même fait l'appel vidéo à 3h du matin. Je me demande, mais est-ce que ces personnes savent même que nous aussi, nous avons des vies. Donc, c'est comme ça, il faut être respectueux. Et là, dans cette vie, quand vous pensez négativement, ce ne sont que les négativités que vous aurez. Quand vous pensez négativement et quand vous êtes peut-être lié à une entité pour vous ouvrir des portes, cette entité aussi va se sentir frustrée. Elle-même, vous allez mettre des blocages à cette entité parce qu'elle ne va plus pouvoir faire son travail normalement. Vous avez un certain pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, quand vous mettez déjà des blocages, même l'entité ne peut plus travailler en fait. Parce que comment tu peux aider quelqu'un qui se crée lui-même des blocages, qui dit qu'il ne croit même pas en ton travail, qui ne vaut rien en fait. Là, vous entrez dans ce qu'on appelle l'auto-ensorcellement. L'auto-ensorcellement est encore plus difficile à résoudre que l'ensorcellement qui a été accompli par une tierce personne. Il faut dire que vous le sachiez. Dans la vie, il faut toujours penser positivement. Et l'une des règles d'or de la spiritualité, c'est la patience. Ce n'est qu'autour de ce mot-là que tourne la spiritualité. La patience. Tu contactes une entité, tu lui fais une demande. Un, il faut savoir que tu n'es pas la seule personne qui contacte cette entité. Deux, il faudrait que tu saches que cette entité peut te répondre positivement ou négativement. De trois, tu dois laisser le temps à l'entité de t'ouvrir les portes comme il se doit, comme elle veut. J'avais fait un travail, je vais vous raconter deux histoires. J'aime raconter ces histoires comme ça pour que ça éveille certaines personnes aussi. J'étais toujours avec des filles, deux Camerounaises, une en France, une au Cameroun. Je commence par celle de la France. Elle m'avait contacté, m'avait soumis ses problèmes et tout et tout. Je lui ai dit, bon, ma soeur, tu es d'abord une fille des eaux. Parce que tu es d'abord une Sawa et tout, et tout, et tout, et tout. Elle ne m'a pas donné son nom, elle m'a juste envoyé la photo. Elle dit, tu es une fille des eaux, ta mère était comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Elle avoue qu'effectivement, c'est vrai, elle est née dans les cultes des eaux. Je lui dis, bon, son problème était qu'il fallait qu'on la réconcilie avec les divinités des esprits des eaux, parce qu'il y a le côté positif et le côté négatif, comme dans toutes choses. Il faut dire qu'on renoue ses liens ancestraux pour qu'elle puisse progresser. On fait son travail, je fais ce que j'avais à faire. La nuit, donc, la fille était préparée, elle a fait les 3 jours comme il fallait faire. Elle devait faire le rituel soit à midi, soit à minuit. Bon, comme son fils fréquentait en journée, elle avait peur qu'avec les rituels et tout, que ça nuise à son fils, elle a préféré le faire à midi. Elle a donc fait le rituel comme il se devait. Et ensuite qu'elle a fini le rituel, normalement, elle était emportée par un sommeil parce qu'il fallait qu'elle aille dans le domaine des eaux. Elle s'est levée, elle a dormi un moment, elle s'est levée, elle a senti des gens qui lui portaient, on portait son corps astral en fait. On la portait, ensuite elle s'est retournée, elle a vu son corps, mais elle n'a pas pris peur parce qu'elle a senti que, elle a senti ma présence, pourtant je n'étais même pas là. On l'a amenée là-bas, elle a vu ce qu'il fallait voir, elle avait vu des fleurs. Elle m'a bien expliqué qu'il y avait un carrefour, il y avait une route qui partait à droite, qui partait à gauche. L'autre route qui partait à droite, on avait mis le chemin de la gauche en fait. Elle est allée là-bas, il y avait les fleurs, on l'a accueillie, elle avait suivi des chants et tout et tout et tout. Elle m'écrit le matin, elle était contente. On lui avait donné des nouveaux vêtements, les trucs, on lui avait donné de l'argent en fait, elle était contente.
une semaine après, deux semaines, elle me... trois semaines après, on va dire, elle m'écrit, elle me dit, maître, je ne sais pas pourquoi c'est lent comme ça, elles m'ont béni, mais c'est trop lent. Je lui dis, c'est pas parce qu'elles t'ont montré le signe de bénédiction. Parfois, elles ne te montrent même pas. Parfois, on te montre un peu le signe de bénédiction. C'est pour dire qu'on t'a déjà, on est en train de t'ouvrir les portes, on t'a accepté, donc on va t'ouvrir les portes de telle sorte que tu puisses accéder à la richesse. Elle me dit, non, je veux le là, je veux le kunfaya, je veux voir d'abord le côté négatif. Elle dit, ok, fais ci, on va t'amener du côté négatif. La même scène encore, on l'a encore portée. On l'a amené, cette fois-ci, on a pris le chemin droit. Bizarrement, hein? Déjà, Satanas, c'est que c'est le seul le côté droit qui soit le côté du bien et le mal soit à gauche. Pourtant, là, c'est l'inverse. Elle est partie à droite. Arrivée, elle a vu des choses là-bas. Elle a dit, elle a vu des usines. Elle était dans une salle de classe. Elle était dans une salle. Bon, je connais bien cette salle. Elle a vu des gens, ils étaient comme des poupées Barbie. Exactement comme des poupées Barbie avec des yeux comme pour le serpent et tout. Il y a un serpent qui est monté, un énorme serpent. Le serpent lui a fait comprendre que comme elle veut la richesse, elle devra coucher avec lui. Donc, ça devra être lui, son unique homme, en fait, son mari. Elle a pris peur. Elle a dit... quand elle est revenue, elle a pris peur. Elle a dit que non, elle pouvait patienter le côté positif. Parce qu'elle a vu... Il y a d'autres choses qu'elle a vues là-bas. Parce que quelque chose qu'on a dit qu'elle ne pouvait pas dire. Elle m'a révélé qu'elle quoi, elle m'a dit des choses comme quoi, elle a vu beaucoup de choses en fait là-bas, que je ne sais pas si elle me doit de parler de ça, bon, ce n'est qu'une parenthèse. Vous voyez déjà l'impatience. Imaginez qu'elle était cupide et qu'elle avait accepté. Elle devrait se retrouver dans les BMW, dans les Range Rover, mais sans plaisir, parce qu'elle ne devrait plus avoir accès à aucun homme, même si Samuel Eto'o, même si Cristiano Ronaldo venait se placer devant elle, elle ne pourrait plus sortir avec cet homme. Le seul homme qu'elle devrait avoir dans sa vie, ça devrait être ce serpent. C'est la magie noire. Donc, quand vous venez, on vous donne des produits. C'est pour ça qu'il y a certains marabouts, certains mages qui deviennent méchants. Quand tu viens, tu te donnes ton produit, normalement, dès que tu insistes que non, c'est trop lent, ça ne marche pas, il te donne un serpent, mais tu ne sais pas que c'est un serpent. Parfois, on te donne une bague. On ne te dit pas avec. Chaque soir, tu rêves que tu es entouré d'un gros serpent. Après, subitement, tes enfants commencent, un de tes enfants tombe malade, après il devient mongol. Tu achètes la voiture, tout le monde est dans la voiture, ces personnes meurent. Il faut faire attention. Suivez toujours les conseils des mages. L'autre personne, c'est une femme. Elle vendait des vins de palme dans des bidons. Quand elle m'avait contacté, elle me disait qu'elle vendait un bidon en 4 jours. C'était très dur. Je lui ai dit, cherche 150 000 francs. Elle a cherché les 150 000. Et avait fait le calcul avec 120 000 francs, il faut acheter tout le matériel. J'ai fait le travail qu'il fallait faire. Et même elle a vu de ses propres yeux. Quand j'ai trempé ses pieds dans l'eau, j'ai fait les incantations qu'il fallait faire. Elle a vu toutes les négativités qui sont entrées dans l'eau. L'eau est devenue complètement noire. Je dis bien noire, comme si on avait versé du charbon à l'intérieur. Ensuite, la constatation disait qu'on avait, on l'avait enchaîné au niveau des pieds. Donc, pour dire qu'elle ne devait pas évoluer, on avait pris sa domination, elle ne pouvait pas évoluer dans la vie. Quand j'ai donc fait des travaux, qu'elle est tombée en transe, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ses pieds étaient lourds. Elle sentait qu'elle était comme si elle était paralysée, elle ne pouvait pas se lever. Je lui ai dit, c'est parce que tes pieds, c'est pas tes pieds qu'on t'a atteint. Donc il faudrait patienter. J'ai fini ce travail. Quand j'ai fini ce qu'il y avait à faire, ce n'est qu'à ce moment qu'elle a pu se relever. On fait son travail, elle est contente. Elle arrive chez elle, elle fait tout comme je dis, elle se préserve, elle ne boit pas d'alcool, elle ne fait pas de rapport avec son mari. Elle fait les rituels des 4 bougies bleues, elle fait le rituel de Lakshmi comme il faut, elle fait. Quand elle fait le rituel, la semaine qui suit, elle commence à vendre un bidon en 2 semaines. Ça passe de 4 semaines à 2 semaines. Quelques semaines, 2 semaines après, elle vend maintenant 2 bidons en 3 semaines. C'est après ce qu'elle m'avait dit. Après, elle m'a contacté, elle me dit, non mais c'est lent, elle voulait du genre, elle pourrait même vendre 4 à 5 bidons par jour. C'est pour ça qu'elle m'a contacté. Si c'est comme ça, vraiment, même si c'est la magie noire, il faut dire, regarde la mentalité des noirs. Donc, parce que tu veux vendre 4 bidons par jour, tu préfères partir invoquer des entités qui tu ne vas même pas supporter. Je lui ai dit, ma chérie, si tu ne veux pas supporter ça, va ailleurs, parce que je ne fais la magie noire que lorsque je n'ai pas le choix, lorsque je n'ai pas d'autre chose à faire. Je n'ai pas d'autres possibilités, en fait. Ça fait aujourd'hui 4 mois qu'on a travaillé. Tout récemment, elle est venue même, elle m'a apporté des montres. Elle m'a apporté une collection de 6 montres. Elle m'avait encore acheté un nouveau téléphone. Elle m'a offert un téléphone. Bon, j'ai même offert ça à ma soeur. Elle m'a offert un téléphone. Et elle était contente parce qu'elle vend très bien. Elle m'a dit qu'elle vendait quoi, c'est 2 à 3 bidons par jour aujourd'hui.
Et apparemment, elle avait aussi rencontré un colonel qui ne voulait plus qu'elle vendre cela. Il voulait. Vous comprenez comment les hommes riches là sont. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, comment tu te sens maintenant? Elle me dit bien. Je dis, bon, quand tu me regardes, qu'est-ce que tu ressens? Elle commence à dire, j'ai honte par rapport à ce que j'avais dit, par rapport au fait que j'avais douté. Il faut, je lui ai répondu, il faut savoir que le professionnel, celui qui est dans le domaine, c'est lui qui sait ce qui se passe. Quand vous dormez, vous ne savez pas ce que nous on fait. Vous ne savez pas ce qui se passe là autour de vous. Pensez que quand on vous envoie une bague, on vous envoie un parfum. Pensez qu'on a seulement pris les trucs, qu'on a mélangé, on a commencé à prononcer les paroles, on a pris, on vous a donné. Vous ne savez pas les invocations qui ont été faites. Vous ne connaissez pas les négociations qui ont été faites. Vous ne savez pas ce que l'entité a demandé en retour pour qu'elle puisse vous imprégner de ces ondes, de ces énergies, de richesse, de bonheur. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'astral. La spiritualité a ses codes. Avant de recevoir, avant d'être béni, il faudrait respecter ces codes-là. Maintenant, si vous avez un problème karmique encore, là, ça devient difficile. Il faut d'abord résoudre le problème karmique. Je vais vous donner ici un jour un rituel d'un degré assez fort pour briser le karma. C'est pas compliqué, cela se fait avec des bougies blanches, du whisky Black Label, quoi c'est Black Label? Et des feuilles de différents arbres selon votre âge. Donc si vous avez 23 ans, vous allez chercher 23 feuilles de 23 arbres différents, vous allez prendre le manguier, l'avocatier, le cocotier, le goyavier, les roses, les trucs, le nombre de feuilles différentes selon votre âge. Je pense que vous donnez ce rituel. Je suis déjà à 30 minutes, je veux plus. Je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça. Amitabha Divorus, que le Dieu qui émane de vos ancêtres vous bénisse, qui vous comble des gloires de ce monde et qui vous apporte l'élévation spirituelle. Les gens qui prennent mes enseignements, mes vidéos, ils font des audios, ils enlèvent mon nom, ils balancent dans des groupes pour se faire passer pour moi. D'autres qui prennent des rituels, ils écrivent en PDF, ils balancent dans les groupes, ils mettent des grands maîtres ceci, grands maîtres cela. Ah. Bref, parfois les gens meurent, c'est eux-mêmes qui ont cherché leur mort. Parfois, les gens tombent malades, ils partent même voir des prêtres, ils partent même voir le pape. Le pape leur dit, allez vous excuser où vous avez cherché les problèmes. Ils se demandent, mais je n'ai cherché des problèmes à personne. Ce sont des bêtises comme ça que vous faites. Ne veux pas trop m'étaler sur ça, je n'ai même pas ce temps-là. Je n'ai pas de temps à consacrer aux bêtises comme ça. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous souhaite d'être heureux en fait. Changez votre mentalité, changez votre pensée positivement. Pensez que tout ce que vous faites doit réussir. Donc il faudrait d'abord travailler votre mental, travailler votre état d'esprit pour obtenir ce que vous voulez. Et aussi soyez très respectueux. Vous ne savez pas qui est autour de vous. Les gens qui marchent en vous, les gens qui sont souvent, qui pensent qu'ils sont trop impolis. Je parle à mes frères camerounais, à mes frères ivoiriens. Avec vos bouches qui vos sales bouches là, vous insultez n'importe qui. Il faut faire très attention. Vous allez insulter quelqu'un comme ça, vous allez prendre des problèmes toute votre vie. Sincèrement. Une fois même, c'est toujours à moi que ça arrive. De tous les membres de l'ordre, ce n'est qu'à moi que ce genre de choses arrivent. Il y a un autre bien qui m'a même encore, un modèle d'accident qui m'a même encore insulté tout récemment au Carrefour de Kouchi là-bas. Il a dit quoi encore? Il a dit. Salopard villageois. Bon, on avait un problème. Et là, il m'a avancé des mots. Je lui ai même pas répondu. Imaginez-vous que vous faites la même chose. Parce que vous, mes frères, vous avez souvent tendance, même sur les réseaux sociaux, vous vous adressez aux gens n'importe comment. Vous pensez que les gens sont vos égaux. Il faut savoir que, même par le nom, même sans même vous connaître, bien qu'avec les 26 lettres de l'alphabet, on peut vous atteindre. Vous faites très attention. On ne joue pas avec n'importe qui. Soyez poli, soyez courtois, soyez respectueux. C'est même là que vous prenez certains blocages. Nous-mêmes qui sommes des initiés, avec tous les chapeaux que nous avons, toutes les casquettes que nous avons, tout l'arsenal de protection que nous avons, nous sommes toujours respectueux. Ceux qui m'ont déjà contacté à Nîmes, vous savez que je fais l'effort d'être le plus respectueux possible. Si vous voyez, je m'emporte même ce qui est extrêmement rare, ce que la personne a vraiment exagéré ou la personne agit de manière stupide.
Parce que les Africains, mes frères, parfois vous posez des questions bêtes, sincèrement. Un monsieur m'a contacté avec le rituel de Kem Kem Kif Kif, Wiri Wiri. J'ai donné le rituel, tout le monde a fait. Il me demande, est-ce que pour faire le rituel, on va tracer les mêmes symboles que j'ai tracés, qui sont au temple? Est-ce qu'on va habiller la chambre comme j'ai habillé? Je dis, mon frère, j'ai donné le rituel, voilà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tes yeux partent chercher dans les entours? Tu sais que ça sert à quoi? Tu sais que ça a été chargé comment? Tu sais que ça a été magnétisé comment? Ces symboles-là, tu sais que c'est quel génie qui gouverne ça? Tu sais comment est-ce qu'il était. Il a été magnétisé là-bas. Est-ce que tu sais comment on a fait pour imprégner ces énergies dans ces symboles? Et toi, tu veux. Donc, parfois, des questions stupides comme ça met en colère, en fait. Je suis en train de m'étaler. Parfois, j'oublie que je ne suis pas en plein direct. Amitabha, vous, Shalom Hotep, c'était Divorus.